Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation d'un bracelet de la société Data Vitae. Donc, c'est une société qui fait des bracelets d'identification pour toutes sortes de pratiques, pratiques de sport, sorties. Voilà, le but est d'avoir sur vous en fait les informations, on va dire essentielles, dans un but soit médical. Soit des numéros de téléphone importants, tout ce genre de choses. Donc il y a différents modèles. Il y a le Baroudeur, c'est celui-là. Il y a l'Ultra, qui est plus avec c'est un bracelet en caoutchouc en fait, matière caoutchouc et élastique. Il y a le bout de chou pour les enfants. Donc l'Ultra se présente comme ça. Donc c'est un scratch. Principe de rétention, c'est un scratch. Donc avec une très bonne rétention, le petit logo sur le côté, comme ça pardon, Data Vitae. Et ensuite, donc bon, moi j'ai caché, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite donc vous avez les différentes inscriptions que vous voulez mettre. Donc vous pouvez, il y a 6 lignes maximum avec 22 caractères. Donc moi par exemple en haut j'ai mis mon nom, mon prénom. Ensuite, j'ai mis ma date de naissance, le numéro de ma femme, le numéro de ma mère, le nom de mes filles et don d'organe. Autorisé, enfin j'ai mis don d'organe, oui. Donc voilà, je trouve que c'est un principe qui est intéressant. Moi, je m'en sers surtout quand je sors dans la verte. Voilà, au cas où, je le mets. C'est pas quelque chose que je porte tous les jours. C'est vraiment quelque chose que je mets voilà, ponctuellement quand je fais des sorties ou... Voilà, si je vais dans des endroits dans la forêt pour éviter de... Si j'ai un problème, bon, voilà, au moins il y a un minimum d'identification sur moi, ça peut permettre déjà de faciliter certaines choses. Donc voilà, l'intérieur est relativement confortable parce que c'est en fait c'est un peu comme... C'est une sangle en fait, c'est un peu la même matière qu'une sangle. La plaque est en acier chirurgical, donc c'est anti-corrosion, voilà, il n'y aura pas de problème. Ce qui peut se passer, c'est qu'à force d'utilisation, il y a des petites rayures qui se fassent dessus. Bon, si vraiment vous frottez beaucoup sur quelque chose, en fait, si vous le portez là, sur l'intérieur du poignet, voilà, avec les frottements comme ça, ça peut, il y a un moment donné, ça peut effacer les inscriptions. Donc le but... Le but de toute façon c'est de le porter correctement. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, donc au poignet ça donne ça. Donc c'est quand même un port relativement discret. Mais il n'y a pas de problème. Et au moins l'avantage. C'est que vous avez les informations importantes sur vous. Donc il y a des prix relativement abordables. Je crois que celui-là est à 22€ le baroudeur. L'ultra est à 26€. Le bout de chou, je crois, est entre une vingtaine d'euros. Je sais plus trop. Sinon, je vous laisserai le lien du site pour aller voir. Donc je trouve ça assez intéressant, pratique et pour le coup voilà, utile. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour voir. Service client est au top. Il y a différents exemples de ports et il y a pas mal de sportifs qu'en portent. Donc voilà, vous pourrez voir les différents exemples sur leur site. Voilà, à bientôt, au revoir.